Hello! Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous installer tranquillement. Hello, je vais vous arriver doucement. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Donc, pour ce cours, vous aurez besoin de votre tapis. Aussi, ce qui peut être bien, ça serait de prendre deux briques de yoga. Hop! Si vous n'avez pas des briques de yoga, vous prenez des grands livres. Déjà, dites-moi si vous m'entendez bien. Normalement, oui, parce que en plus, j'ai mis mon micro sur mes cheveux. Donc, comme ça, peu importe comment je bouge la tête, vous devriez m'entendre. Si vous pouvez me mettre dans le chat si vous entendez bien. Normalement, oui. J'espère que oui. Bon. En tout cas, prenez donc deux briques ou deux grands livres assez épais, quoi. Pour vous aider, et aussi une sangle de yoga ou sinon une ceinture, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse aller prendre tout ce matériel-là et vous installer. Ok, parfait si vous m'entendez. Hop, donc prenez une ceinture ou une sangle de yoga. Donc aujourd'hui, on va faire un cours qui va se concentrer sur tout ce qui est en ouverture du cœur, donc de la souplesse du dos, de la souplesse des épaules, parce que pour faire toutes ces postures d'ouverture du cœur ou de back bend, comme on les appelle, il faut de la souplesse au niveau des hanches, de la souplesse au niveau des épaules et de la souplesse au niveau du dos. Mais cette souplesse au niveau du dos, elle va se travailler déjà en cherchant l'extension maximale de la colonne vertébrale, donc en bien se grandissant. Et une fois qu'on s'est bien grandi, on peut aller chercher l'hyperextension. Ok, j'espère que vous avez tout le matériel qu'il faut. Donc, vos deux briques si jamais, et puis surtout une ceinture, ok? Et à la place des briques, si vous n'avez pas les briques, vous prenez des livres assez épais, quoi. Voilà, à peu près cette épaisseur-là. Ok, allez, on y va. Donc, venez vous asseoir sur votre tapis. Hop. Asseyez-vous dans une posture confortable. Fermez les yeux ici. Grandissez-vous bien, poussez les os du bassin dans le sol. Étirez votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Sentez que vos vertèbres s'empilent les unes au-dessus des autres. Détendez bien le visage, la mâchoire, les épaules. Essayez d'ouvrir les clavicules, tout en ouvrant l'espace entre vos omoplates. Donc imaginez que vos épaules s'étirent vers les côtés. Et ici, prenez le temps de respirer lentement et profondément par le nez, par le ventre. Donc longue inspiration ici. Laissez le ventre gonfler au maximum. Et longue expiration ici, toujours par le nez. Laissez le ventre dégonfler petit à petit. Et peut-être à la fin de l'expiration, imaginez que vous plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Et si vous voulez, en même temps, vous pouvez engager le périnée. Encore longue inspiration ici, on se grandit. On laisse le ventre gonfler, on détend complètement son périnée. Et longue expiration. On relâche toutes les tensions et on vient plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Encore longue inspire. Et longue expire. Dernière fois, longue inspiration. Et longue expiration. Parfait. Toujours les yeux fermés. Mettez les mains en prière devant le cœur. On va chanter Om une fois tous ensemble pour ouvrir la séance. Donc, préparez-vous à expirer ici. Puis prenez une longue inspiration par le nez et par le ventre. Mmh.
Si vous voulez, prenez quelques instants ici pour émettre une intention pour votre pratique. Ça peut être juste un seul mot. Quelque chose que vous aimeriez développer dans votre pratique et même dans votre vie de tous les jours. Parfait. Frottez vos paumes des mains devant vous. Mettez vos paumes des mains sur vos paupières. Et lentement, ouvrez les mains, ouvrez les yeux. On y va, on va commencer à s'échauffer doucement. Cercle de tête, on inspire quand le menton est vers le haut, on expire quand le menton est vers le bas. Soit vous fermez les yeux, soit vos yeux suivent les mouvements de votre tête. Et c'est vraiment votre respiration qui guide la vitesse de vos mouvements. Parfait, dans l'autre sens. Et lentement, terminez votre cercle et revenez au centre. On y va. Cercle avec les épaules. Pareil, on inspire, on monte ses épaules jusqu'aux oreilles. On expire, on serre bien les omoplates et on baisse les omoplates. Dans l'autre sens, vers l'avant. Parfait. De façon un petit peu déliée, laissez un petit peu bouger la cage thoracique aussi, dans l'autre sens. Parfait. Maintenant, main sur les genoux, on vient faire des cercles avec le thorax. Dans l'autre sens, inspirez le thorax vers l'avant, expirez quand le thorax est vers l'arrière. Ok, parfait. Tendez une jambe devant vous, pliez l'autre dessus, attrapez votre pied. Bon, moi, j'aime bien mettre mes doigts entre mes orteils, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste attraper le bout du pied. Et on y va, on fait des cercles avec les chevilles. Pourquoi c'est important aussi de bien s'occuper du bas du corps, parce que c'est vraiment notre fondation pour le back bend. Hop, tournez dans l'autre sens. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir arriver à faire des hyperextensions du dos, du back bend, de l'ouverture du cœur, il faut d'abord venir chercher l'extension de la colonne vertébrale. Et pour avoir cette extension, la seule chose qui nous permet de l'avoir, cette extension, c'est de vraiment être bien ancré dans le sol et de repousser le sol. Allez, changez de pied. Continuez de respirer tranquillement par le nez, par le ventre. Hop, on change de sens. Ok, parfait. Venez vous asseoir sur vos talons, crochetez les orteils dans le sol pour bien étirer les orteils, attrapez vos mains et on vient faire des cercles avec les poignets. Hop, dans l'autre sens. Parfait. Hop, prenez appui sur vos mains. Essayez de venir, de faire comme si vous vouliez poser vos talons dans le sol, mais vous gardez le poids du corps vers l'avant pour ne pas les poser. Le but, c'est de sentir l'étirement au niveau des tendons d'Achille. Ok, demi-pointe. Cette fois, essayez de lever très haut les demi-pointes et les genoux et peut-être même avec vos fesses, de pousser les talons vers l'avant. Ok, doucement, reposez. Venez sur le dos des pieds. Prenez appui sur vos mains. Et là, même chose, vous allez essayer de soulever les genoux pour venir étirer les chevilles. Donc, vous soulevez comme vous pouvez. Peut-être vous pouvez même venir carrément sur les demi-pointes. Et doucement, on revient.
Parfait. Mais écartez les mains largeur des épaules, les genoux sous le bassin et on y va. On vient faire des cercles au-dessus de ses poignets. Relâchez pas entre vos omoplates. Laissez vos épaules bien engagées. Hop, dans l'autre sens. Parfait. De là, donc venez bien en posture de la table. On va enchaîner posture du chat, posture de la vache. On y va, on inspire, on creuse son dos, posture de la vache. Étirez au maximum le menton vers le plafond. Expirez, posture du chat, repoussez le sol, nombril contre la colonne vertébrale. Encore, inspirez. Imaginez qu'il y a un élastique entre l'arrière de votre crâne et votre sacrum. Expirez. Repoussez le sol, arrondissez au maximum. Encore, inspirez. Et utilisez vos muscles pour rapprocher l'arrière de la tête et vos fesses. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Ok, inspirez, revenez le dos droit. On va faire la même chose, mais de façon un petit peu plus dynamique, comme une vague cette fois. Donc, on inspire, on arrondit le dos, on vient vers l'avant. On expire, on creuse le dos. On regarde vers le plafond, on vient presque s'asseoir sur ses talons. Encore, on inspire. Et on expire. Encore, inspirez. Et expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Parfait. Cette fois, venez en chien tête en bas. Peut-être avancez un petit peu vos mains. Et là, en chien tête en bas, prenez le temps de plier une jambe, puis l'autre, pour un petit peu vous échauffer. Essayez de quand même regarder soit vers vos genoux, soit vers le nombril. Dans votre chien tête en bas, engagez bien les épaules. Donc, ascensionnez les omoplates, les épaules jusqu'aux oreilles. Ok, doucement revenez. Longue inspiration ici. Expirez, creusez le bas du dos au maximum. Peut-être gardez les genoux pliés pour pouvoir permettre de creuser le bas du dos au maximum. Encore, longue inspire. Poussez les mains dans le sol au maximum. Expirez, creusez le bas du dos. Dernière fois, longue inspire. Poussez le sternum vers l'arrière, les épaules jusqu'aux oreilles. Et on expire, on bascule le bassin vers l'arrière. Ok. Et ici, en chien tête en bas, on va reprendre nos vagues comme tout à l'heure. Donc on y va, on inspire, venez sur les demi-pointes, arrondissez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, venez comme dans une planche. Expirez, pliez les genoux, creusez le bas du dos et doucement, revenez en chien tête en bas. Encore, inspirez. Et expirez. Encore, on inspire. Regardez vers votre nombril. Expirez, regardez doucement vers le plafond. Encore, inspirez. Et expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Parfait. Lentement, inspirez. Venez en planche. Un petit peu de gainage ici. Essayez de vraiment basculer le bassin vers l'avant au maximum. Essayez de venir un petit peu sur le bout des orteils ici et arrondissez bien entre les omoplates. Longue inspiration ici. Longue, expire. Encore, essayez vraiment de serrer les fesses, de basculer le bassin vers l'avant au maximum. Dernière fois, longue, inspire. Longue, expire. Revenez en chien tête en bas. Parfait. Marchez jusque vers vos mains. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez vers le bas. Peut-être attrapez vos coudes. Et laissez tomber doucement le haut du corps. Peut-être balancez-vous de droite à gauche pour bien détendre
le haut du corps. Relâchez bien le poids de la tête. Parfait, revenez au centre. Longue inspiration ici. Expirez, relâchez les bras, pliez dans les genoux. Et inspirez, déroulez vertèbre après vertèbre. Parfait. On va venir prendre notre ceinture ou notre sangle de yoga pour faire vraiment, je pense, mon exercice préféré pour travailler la mobilité des épaules qui nous est très utile pour tout ce qui est backbend et ouverture du cœur. Je regarde juste s'il y a des questions. Non, juste bonsoir à tous. Ok, parfait. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre votre ceinture assez écartée. Peut-être essayez de serrer les pieds l'un contre l'autre pour vraiment sentir que vous serrez les cuisses l'une contre l'autre et que vous engagez vraiment le bas du corps. De là, donc, au début, vous prenez la sangle un petit peu écartée. Vous allez inspirer, monter un petit peu les épaules. Par contre, je ne sors pas le dos, je reste bien droite ici. Et j'expire, je passe les mains derrière. Ok, donc je vous refais le mouvement. Donc ici, hop, je bascule bien mon bassin vers l'avant. Je serre les cuisses l'une contre l'autre, nombril contre la colonne vertébrale. Je serre mes côtes, épaules jusqu'aux oreilles. Et ça me permet de passer. Et pareil, je reviens dans l'autre sens. Si c'est trop dur de passer comme ça, même au max de votre ceinture, vous faites d'abord un côté, puis l'autre. Et vous revenez de l'autre côté. Et même chose, un côté, hop, et je reviens. On peut le faire en deux étapes et le découper du coup. Si c'est trop facile, bah vous resserrez l'écart et vous le faites avec les bras, enfin avec les mains un petit peu plus rapprochées l'une de l'autre. Ok ? Allez, on y va. Serrez bien les pieds, basculez bien le bassin vers l'avant, poussez gros orteils, petit orteil, talons dans le sol. Grandissez-vous jusqu'au sommet du crâne. On y va. On inspire, épaules jusqu'aux oreilles. Attention, on n'ouvre pas ici, on serre bien et on expire les bras vers l'arrière. Encore, j'inspire, quand je veux revenir, je serre bien les omoplates dans le dos et je reviens. Et là, pareil, quand je reviens, je n'ouvre pas au niveau des côtes, je serre bien les côtes. Encore, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Fixez bien un point devant vous. J'inspire. Et j'inspire et j'expire. Allez-y à votre rythme encore quelques fois. Ça doit commencer à chauffer dans les épaules, vraiment dans l'articulation. Et gardez vraiment le bas du corps bien tonique. Plus vous repoussez le sol, plus vous engagez les muscles profonds et plus vous allez pouvoir chercher cette hyperextension de la colonne vertébrale. Allez, encore trois fois. J'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. Deux, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et trois, j'inspire, j'expire, j'inspire. Et j'expire. Parfait. Maintenant, vous allez venir prendre le bloc ou le livre. Si ce n'est pas du tout stable, enfin, si c'est un petit peu compliqué avec un livre, vous pouvez garder la sangle ou peut-être juste rapprocher en fait, les mains largeur de vos épaules. OK ? Mais avec le bloc, j'aime bien, je trouve, puis il y a à peine du poids, ça fait un peu plus de challenge. Alors, là, ici, on va venir vraiment, en fait, je me rapproche un peu pour que vous voyez bien, en tout ce qui est backbend, pour pouvoir venir ouvrir mon épaule, ce que j'ai besoin, c'est de l'ascensionner. Si j'ascensionne mon épaule, donc épaule qui monte jusqu'à l'oreille, je peux ouvrir. Je vous fais la démo, là, mon épaule est basse. Franchement, je suis bloquée ici. Et puis, j'ai l'impression que mon épaule, elle va se disloquer. Si je monte mon épaule au maximum, j'ouvre totalement les possibilités. Ok ? Là, hop, je baisse, ça ne descend pas. Hop, je monte. Et puis là, je peux vraiment ouvrir. Ok ? Donc, j'aimerais vraiment que vous sentiez ce mouvement de j'ai mes épaules en bas et là, j'ai mes épaules qui montent au maximum. Vous allez le voir de dos, vous allez comprendre. C'est vraiment les omoplates. En fait, j'ai des épaules jusqu'aux oreilles
mais c'est vraiment les omoplates qui montent. Donc là, mes épaules sont baissées et là, j'ascensionne mes omoplates. C'est vraiment ce mouvement qui va vous permettre d'ouvrir. Donc, c'est ce qu'on va travailler là avec cet exercice. Même chose, donc on serre ses pieds, on pousse bien le gros orteil, petit orteil, talon dans le sol. On bascule bien le bassin vers l'avant, on serre les cuisses l'une contre l'autre. De là, je mets le profil, vous verrez mieux. Je vais avancer la brique devant moi. Et déjà ici, quand je fais ça, j'avance mes épaules. Je protraque mes épaules vers l'avant. OK ? Donc déjà, ce mouvement-là. Hop, j'avance mes épaules, donc mes omoplates s'ouvrent dans le dos. Puis, je viens monter ma brique au-dessus de ma tête. Donc là, forcément, si déjà au début, vous avez avancé vos épaules, quand vous allez monter, vos épaules, automatiquement, elles vont se retrouver vers vos oreilles. Même chose ici, pour l'instant, je ne cherche pas du tout à ouvrir. Juste, je veux rester bien droite et pousser au maximum ma brique vers le plafond et mes épaules jusqu'aux oreilles. Et doucement d'ici, je vais venir redescendre en gardant mes épaules bien avancées. OK ? On y va ? J'espère qu'il n'y a pas de questions. Hop ! Non, ça a l'air d'être bon. Allez, on y va. Donc, je me grandis, je bascule le bassin vers l'avant. J'inspire, épaules vers l'avant. Puis jusqu'aux oreilles. Je garde mes côtes serrées au maximum. Et j'expire, je redescends doucement comme je suis venue. Encore, j'inspire. Je pousse le sol. Plus je monte mes mains, plus je pousse le sol. Et j'expire doucement. Encore, j'inspire. Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Et cette fois, je vais rester en haut. De là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'inspire, j'étire mes épaules au maximum vers mes oreilles. J'expire, je les abaisse. Et là, même chose, ma colonne vertébrale ne bouge pas. Je garde mes côtes serrées. Je ne viens pas ouvrir. OK ? Allez, on inspire. Épaules jusqu'aux oreilles. Je ferme mes côtes. Et j'expire, les épaules descendent. Encore. J'inspire, épaules jusqu'aux oreilles. J'expire, je descends mes épaules. Encore deux fois. J'inspire, épaules jusqu'aux oreilles. J'expire, j'abaisse mes épaules. J'inspire, épaules jusqu'aux oreilles. Et on va rester ici 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et doucement, j'expire, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, parfait. Allez, reposez la brique, tournez un petit peu les épaules si vous voulez, un petit peu secouez les bras. Allez, parfait. Donc là, les épaules sont bien chaudes, vous avez bien compris comment on venait ouvrir dans nos épaules. Ok, dernière chose avant qu'on fasse une salutation au soleil que j'aimerais vous montrer. Donc, une des postures de base dans la salutation au soleil, c'est qu'on vient s'étirer et on essaye d'ouvrir dans nos épaules et d'ouvrir le cœur. Ici, ce que je vous conseille, c'est d'entrelacer vos doigts, de relâcher juste l'index. On serre bien les jambes l'une contre l'autre, on bascule bien le bassin vers l'avant. On inspire, on s'étire. Et donc là, déjà, épaules jusqu'aux oreilles, au maximum, comme on vient de travailler. Peut-être que vous arriverez à mettre, selon votre mobilité, même les épaules derrière vos oreilles. Mais peu importe, si c'est à côté des oreilles, c'est très bien. Tendez bien vos coudes, où que vous soyez, c'est super important. De là, vous allez venir regarder vos pouces. Et ici, ce que j'aimerais que vous sentiez, c'est le fait de venir ouvrir d'abord, vraiment, le haut du dos. Parce que souvent, ce qu'on voit dans toutes ces ouvertures, c'est on pousse les hanches vers l'avant et puis après, je viens ouvrir. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que vous cassez totalement et vous ne vous servez pas de votre ancrage pour vous grandir et pour venir chercher le backbend. Donc, ce que j'aimerais que vous arriviez à sentir ce soir, c'est
J'inspire, j'étire les épaules jusqu'aux oreilles, je regarde vers mes pouces, et puis là, j'essaye d'ouvrir entre mes omoplates au maximum. Et une fois que c'est ouvert, j'ouvre le milieu du dos et peut-être le bas du dos en dernier. Mais tout ça se fait étape par étape. Et surtout pour revenir, c'est j'envoie les fesses vers l'arrière, j'empile mes vertèbres les unes au-dessus des autres et la tête revient en dernier. Tout le long du cours, vraiment, je veux vraiment que vous compreniez ça et que vous l'appliquiez à chaque fois que vous faites du back bend. Quand vous allez dans le back bend, c'est la tête d'abord. Et quand vous revenez, c'est toujours la tête en dernier. OK ? Comme ça, vous êtes sûr de ne jamais vous faire mal au cervical, de ne jamais vous faire mal au bassin. OK ? Peu importe à quel point vous allez loin dans votre back bend, mais c'est vraiment important d'avoir cette base-là. Et si vous avez cette base-là, vous ne vous ferez jamais mal. OK ? Dites-vous, c'est assez logique en fait. C'est que vos jambes, c'est votre base, votre bassin, c'est votre base. Donc, si ça, c'est solide, en haut, ensuite, ça peut bouger. Et c'est pour ça que quand vous revenez du back bend, c'est d'abord la base qui se remet en place. Et puis, petit à petit, on remonte le haut du corps. OK ? N'hésitez pas s'il y a des questions. Mais j'ai l'impression que ça va. Allez, on y va ? On y va pour la salutation au soleil. Donc, salutation au soleil, après qui sera un peu aménagée en fonction de cette ouverture du cœur. Allez, on y va. Donc, venez vers l'avant du tapis, pieds ensemble. J'inspire, je m'étire. Ici, j'ouvre que mon haut du corps et j'expire. Je viens vers l'avant. Relâchez bien le poids de la tête. Pliez les genoux si nécessaire. Mettez bien les mains à plat à côté des pieds. J'inspire, dos plat, mettez les mains sur les genoux, sur les cuisses si besoin, creusez bien le bas du dos, le cœur vers l'avant. Et j'expire, je repose. J'inspire, pied droit derrière. Pour l'instant, vous allez garder la jambe de derrière tendue et on va faire des petits mouvements d'avant vers l'arrière. Et on essaye petit à petit de pousser le bassin vers le bas. Ok, vous pouvez faire des cercles si vous préférez, comme vous voulez, mais en tout cas un petit mouvement qui permet de bien détendre petit à petit les muscles et les fascias. Si vous faites des cercles, pensez à bien tourner le cercle dans l'autre sens. Ok. Doucement, posez le genou dans le sol. Longue inspiration ici. Essayez d'ouvrir le cœur au maximum vers l'avant, de vous redresser. Parfait. Si besoin, n'hésitez pas de prendre des briques pour vraiment essayer d'ouvrir le cœur au maximum, de pousser le bassin vers le bas. Ici aussi, ce qui est très important, c'est d'aligner ses hanches. Donc, la hanche de la jambe de devant recule, la hanche de la jambe de derrière avance. Donc, je recule hanche gauche, j'avance hanche droite ici. De là où vous soyez, venez vous redresser. Donc, ça veut dire qu'on essaye de mettre ses épaules au-dessus de ses hanches. Pareil, si besoin, prenez vos briques pour pouvoir vous tenir bien droit. Ok. Longue inspiration ici, longue expiration, encore longue inspire, longue expire, parfait. J'avance ma main droite, pardon, venez, on va mettre plutôt les mains à côté du pied, on passe en planche, ok. De là, on expire, on pose les genoux, sternum, menton dans le sol, donc gardez bien les orteils dans le sol, c'est juste vos coudes qui piquent, gardez bien les coudes contre vous. Sortez les fesses au maximum et étirez le menton vers l'avant. J'inspire, je passe en cobra. Dans votre cobra, gardez bien le nombril dans le sol. Poussez les pieds dans le sol, les coudes contre vous. Imaginez qu'avec vos mains, vous tirez vers l'arrière. Et avec le cœur, vous amenez le cœur vers l'avant au maximum. Menton vers le plafond. On expire. Chien tête en bas. J'inspire. Pied droit entre les mains. J'inspire juste, je regarde vers l'avant. J'essaye d'ouvrir les clavicules. J'expire, pieds ensemble. Je relâche bien le poids de la tête. J'inspire, dos plat. J'expire, je relâche. Et j'inspire, je m'étire vers le plafond. Et j'expire, main en prière devant le cœur. À gauche, on y va. On inspire, on s'étire. On expire vers le bas.
J'inspire, dos plein. J'expire, je relâche. J'inspire, pied gauche derrière. Je garde bien mon genou tendu. Et on y va, petit mouvement d'avant vers l'arrière ou des petits cercles. Essayez de fixer un point devant vous. Essayez d'ouvrir les clavicules. Parfait. Posez le genou dans le sol. Longue inspiration ici. Longue expiration. Replacez vos hanches. Reculez bien la hanche droite. Avancez la hanche gauche. Et là, j'inspire, je me redresse. Je viens mettre mes épaules au-dessus de mes hanches. Longue inspire ici. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire. Bien le nombril contre la colonne vertébrale. En fait, plus je veux pousser le bassin vers le bas et vers l'avant, plus en fait, je ne me laisse pas tomber dans le sol, mais j'étire mon genou vers l'avant et mon autre genou vers l'arrière. En fait, pour pouvoir descendre, j'étire au maximum mes jambes dans les directions opposées. Et par contre, au niveau de mon bassin, je viens soutenir mon bassin. Donc, nombril contre la colonne vertébrale, j'engage le périnée. Parfait. Les mains à côté du pied de devant, je passe en planche. J'inspire ici, j'expire, je pose les genoux, sternum, menton dans le sol. J'inspire, cobra, tirez les coudes et les mains vers l'arrière, le cœur vers l'avant. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche devant. Entre les mains, je me redresse et j'expire. Pieds ensemble, je relâche bien le poids de la tête. Et j'inspire, dos plat, j'expire, vers le bas. Et j'inspire, je m'étire. Et j'expire, main en prière devant le cœur. Encore, j'inspire, je m'étire. J'expire, vers le bas. J'inspire, dos plat. J'expire, vers le bas. J'inspire, pied droit derrière. Je pose mon genou dans le sol. J'inspire, je me redresse ici. J'essaye de poser mes mains dans le sol. Si je n'y arrive pas, je prends des briques. OK ? Comme vous le sentez. De là, j'inspire, je me grandis au maximum. Puis, je vais essayer d'étirer le menton, de regarder vers le plafond et peut-être d'ouvrir le cœur. Et j'essaye peut-être de relâcher la tête vers l'arrière. Ouvrez-moi votre rythme. Si vous préférez juste garder les briques, ouvrir ici, c'est déjà très bien. Donc, écoutez votre corps. Gardez vos hanches droites. Continuez de pousser le sol avec le pied gauche et le pied droit. Longue inspire. Longue expire. J'inspire. Et j'expire, je reviens bien la tête en dernier. On va faire la même chose, mais cette fois sans les mains qui nous aident. Donc, on y va. On inspire, on étire les bras. Comme on fait dans la posture de la montagne au tout début de la salutation soleil, j'inspire, épaules jusqu'aux oreilles, je regarde vers mes pouces. Et maintenant, c'est mes pouces, mes doigts qui m'amènent vers l'arrière. Longue inspire ici, où que vous soyez. Repoussez le sol au maximum. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire, bien le nombril contre la colonne vertébrale. J'inspire. Et j'expire, ramenez les mains un peu vers l'avant pour vous tirer. Et la tête revient en dernier. Je pose les mains à côté du pied de devant, je passe en planche. J'inspire ici, j'expire, je pose les genoux, sternum, menton dans le sol. J'inspire, cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit devant entre les mains, juste je me redresse, j'ouvre le cœur. J'expire, pieds ensemble, relâchez bien le poids de la tête. J'inspire, dos plat. J'expire, je relâche. Et j'inspire, je m'étire. Et j'expire, main en prière devant le cœur. Hop, je recule un tout petit peu mon tapis. Allez, et on continue. Même chose à gauche, on y va. On inspire, on s'étire. On expire vers le bas. On inspire, on creuse son dos.
On expire, on relâche. On inspire, pied gauche derrière. Et directement, on vient se redresser ici. Poussez dans le pied de devant. Poussez le dos du pied derrière. Les hanches droites. On inspire, on se grandit. On expire, on plie dans le genou de devant. Le nombril reste contre la colonne vertébrale. Je continue de soutenir un petit peu mon périnée. Longue inspiration ici. Prenez vos briques si besoin pour poser sous les mains. Je me grandis. J'essaye de mettre mes mains à plat dans le sol. Je regarde le menton vers le plafond et doucement, peut-être, j'essaye d'amener la tête vers l'arrière. Longue inspiration ici. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire, nombril contre la colonne vertébrale. Dernière fois, longue inspire. Et j'expire, je reviens doucement. La tête en dernier. Même chose sans les mains comme tout à l'heure. J'inspire, je m'étire. Entrelacez vos doigts, vous relâchez l'index. Poussez les pieds dans le sol au maximum. J'inspire, je m'étire, je regarde vers mes pouces. Et j'expire, j'étire mes doigts loin derrière. Longue inspiration ici. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire. Dernière fois, longue inspire. Et j'expire doucement. Je reviens. Je pose mes mains dans le sol. Je passe en planche. J'inspire ici. J'expire. Je pose les genoux. Sternum. Menton dans le sol. Et j'inspire. Cobra. Et j'expire. Chien tête en bas. Longue inspire ici. Ouvrez la bouche à expirer. Parfait. J'inspire, pied gauche devant, entre les mains. Je me redresse ici. J'expire, pieds ensemble. Je relâche bien le poids de la tête. J'inspire, dos plat. J'expire, je relâche. Et j'inspire, je m'étire au maximum. Et j'expire. Main en prière devant le cœur. Petite pause des back bends. On va venir étirer un petit peu les côtés. Donc on y va, on inspire. Entrelacez vos doigts, relâchez l'index ici. Serrez les cuisses l'une contre l'autre. Basculez bien le bassin vers l'avant. Longue inspire ici. Expirez demi-lune. Étirez les doigts vers la droite. Les hanches vers la gauche. Longue inspire ici. Les coudes bien tendus. Amenez un petit peu plus l'épaule droite vers l'avant. Donc l'épaule qui est vers le bas. Encore longue inspire. Longue expire, longue inspire et j'expire, je reviens. J'inspire, je m'étire au maximum, j'expire de l'autre côté. Longue inspire, tendez vos jambes, étirez vos doigts et j'expire. Encore longue inspire, longue expire. Dernière fois, j'inspire et j'expire, je reviens. J'inspire une dernière fois, je regarde vers mes pouces et j'expire, main en prière devant le cœur. Parfait. Longue inspiration ici, longue expiration vers le bas. J'inspire, dos plat, j'expire vers le bas. Cette fois, j'appuie dans mes mains et je marche directement en chien tête en bas. J'inspire, je vais venir lever ma jambe droite. J'expire, genou contre le nez. J'inspire, pied gauche, pied droit, pardon, entre mes mains. Je pose mon genou de derrière. J'avance un petit peu ma main gauche vers l'avant. J'inspire, j'étire mon bras droit. J'expire, je twiste, je tourne vraiment le cœur vers le genou. Je plie la jambe de derrière, j'essaye de l'attraper. Peut-être même, j'essaye d'amener mon talon vers ma fesse. Longue inspiration ici. Longue expiration. Encore longue inspire. Longue expire. Poussez bien le pied droit dans le sol. Dernière fois, longue inspire. Et longue expire doucement. Je relâche. Et je reviens mettre mes mains à côté de mon pied. Je passe en planche ici.
J'inspire, je viens vers l'avant. J'expire, je pose les genoux. Sternum, menton dans le sol. J'entrelace peut-être mes mains dans le bas du dos. J'essaye de tendre mes coudes. Et pour ouvrir les clavicules, étirer au maximum le menton vers l'avant. Et peut-être j'essaye de soulever les poignets et d'amener les mains vers le plafond en me disant même peut-être que je l'amène les mains vers l'avant. Longue inspiration ici. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire. Dernière fois, j'inspire, j'étire au maximum mes mains et j'expire doucement. Je replace mes mains à côté des épaules et j'inspire. Cobra. J'expire. Chien tête en bas. Longue inspiration ici. Regardez vers les genoux ou vers le nombril. Longue expiration. Parfait. J'inspire. Pied gauche entre mes mains. Je pose le genou derrière. J'inspire. J'étire mon bras gauche. J'expire. Je twiste le cœur vers le genou. Pardon, j'avance un petit peu ma main droite, sinon vous allez être coincé. Je plie ma jambe de derrière. J'inspire ici, j'expire, j'essaye peut-être même d'amener le talon vers ma fesse. Longue inspire, je me grandis. J'expire, nombril contre la colonne vertébrale, je twiste autour du nombril. Encore, longue inspiration. Longue expiration. Encore, longue inspire. Longue expire. J'inspire une dernière fois, je me grandis. J'expire doucement, je repose ma jambe derrière. Je place mes mains à côté de mon pied et je fasse en planche ici. Je pose les genoux. Cette fois, on va venir faire la posture du chiot. Donc pour la posture du chiot, peut-être regardez d'abord si vous ne connaissez pas. Je viens doucement étirer les mains devant moi et j'essaye de venir poser le sternum et le menton dans le sol. Petite option pour modifier. Vous prenez vos briques et vous essayez de venir les mettre hop, soit sous vos bras, soit peut-être sous vos épaules pour un peu essayer de vous soutenir et pour que vous puissiez ouvrir doucement vos épaules sans vous faire mal et vraiment à votre rythme. Donc voilà, soit vous essayez peut-être, je trouve le mieux c'est de mettre sous les aisselles et vous essayez, donc soit vous gardez le front sur le sol. Le mieux, c'est quand même d'essayer de regarder vers l'avant entre vos pouces. Et même si les briques vous soutiennent, poussez les épaules jusqu'aux oreilles au maximum. Donc, allez-y à votre rythme. Les briques, évidemment, vous pouvez les monter même plus haut si vous préférez. Voilà, pour venir doucement ouvrir dans vos épaules. Allez, où que vous soyez, prenez le temps de respirer, toujours par le nez. Par le ventre et ici plutôt par le côté des côtes. Longue inspiration. Je pousse les épaules jusqu'aux oreilles. J'ouvre les côtes sur les côtés. Et j'expire, nombril contre la colonne vertébrale. Si c'est trop facile, crochetez les orteils dans le sol et venez tendre les jambes. Longue inspire. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire. Dernière fois, j'inspire et j'expire. Je repose doucement mes genoux. Venez mettre les mains sous vos épaules. Expirez. Relâchez. Parfait. Hop, toujours pas de questions. Parfait. Hop, et doucement. Je viens m'asseoir. Je mets mes mains sur mes genoux. Je ferme les yeux. Je prends quelques instants ici pour respirer. Pour me laisser traverser par toutes les sensations, peut-être même par certaines émotions, toutes les postures d'ouverture du cœur et d'ouverture de la gorge, forcément, ça peut un petit peu chambouler, ça peut faire un gros afflux d'énergie dans la région du cœur, de la gorge, ça peut faire des sensations un petit peu peut-être étranges, qui ne sont pas encore familières. Et surtout, si c'est des zones qu'on n'ouvre pas assez souvent, ça fait un petit peu des stases d'énergie. Donc là, il y a toute l'énergie qui se remet en mouvement. Et c'est normal que ça fasse des sensations un petit peu plus
intenses que d'habitude dans ces régions. Donc prenez vraiment le temps de revenir dans le corps, de laisser un petit peu décanter. Et bien sûr, à chaque fois, si c'est trop, n'hésitez pas à revenir un petit peu à l'étape où c'était confortable, supportable. Le but, c'est certes de se challenger un petit peu, de sortir un peu de sa zone de confort, mais le but, c'est vraiment pas de se mettre en danger. Le mot asana, posture, en sanskrit, en fait, ça veut dire une posture qui est calme et confortable. Donc, à chaque fois, quand vous faites une posture, même si ça vous challenge, ça doit rester confortable et ça ne doit pas vous submerger. Ok, parfait. Doucement, venez vous mettre sur votre ventre. On va faire quelques petits exercices un petit peu pour travailler notre dos, nous renforcer un petit peu au niveau du dos. Allez, de là, vous allez revenir comme dans la posture du cobra. Donc, menton sur le sol, les jambes, essayez de serrer les jambes l'une contre l'autre, poussez les pieds dans le sol, tendez les jambes, basculez un petit peu le bassin vers l'avant. J'inspire, j'étire le menton vers l'avant, puis je viens en cobra. De là, vous allez venir mettre, soulever les mains et les mettre devant vos épaules. Longue inspire ici. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire. Dernière fois, j'inspire et j'expire doucement. Je reviens. Cette fois, on va venir mettre les mains dans le dos. Essayez peut-être de tendre vos coudes, entrelacer vos doigts. Longue inspiration ici. Et j'expire. Je me soulève. Essayez de pousser les pieds dans le sol, de garder les pieds dans le sol, nombril contre la colonne vertébrale. Encore, longue inspire ici, j'étire le menton vers le plafond. Longue expire, j'étire les poings vers l'arrière. Encore, j'inspire. Et j'expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire doucement. Parfait. De là, venez mettre les mains sous vous, paume des mains, face au sol. Resserrez les coudes le plus possible l'un de l'autre et étirez le menton vers l'avant. J'inspire, je lève ma jambe droite. J'essaie de garder le bassin droit. Je ne viens pas mettre ma fesse droite par-dessus la gauche, les hanches sur la même ligne. Et j'expire, je reviens. J'inspire, jambe gauche. J'expire, je reviens. J'inspire, jambe droite. Cette fois, je prends appui sur mon genou gauche, je plie ma jambe gauche et j'essaye de venir mettre mon pied gauche contre mon genou droit. J'inspire, je retends ma jambe gauche. J'expire, je repose. J'inspire, jambe gauche. J'expire, je plie. J'inspire, je tends. Et j'expire, je repose. Prenez une longue inspiration ici. Expirez ici, rechargez-vous. Encore une respiration complète ici. Et j'expire. J'inspire, préparez-vous à lever les deux jambes en même temps cette fois. Expirez, levez les deux jambes, le menton reste sur le sol pour l'instant. Longue inspire ici. Longue expire. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire doucement, je pose, relâchez vos bras. Parfait. Cette fois, écartez les jambes l'une de l'autre, un petit peu moins que la largeur du tapis. Paume des mains face au sol. Longue inspiration ici. Et j'expire, cette fois, je vais lever le haut du corps et les jambes en même temps. Longue inspire. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire. J'inspire et j'expire, je repose. Cette fois avec les mains vers l'avant. Longue inspire ici. Et j'expire, j'étire tout en même temps. Regardez vers le plafond au maximum. Longue inspire. Longue expire.
Encore longue, inspire. Longue, expire peut-être. Dernière fois, essayez de serrer les jambes l'une contre l'autre. Longue, inspire. Et bravo, j'expire, je relâche. Les mains sous les épaules. J'expire, je plie les genoux. Et je viens en posture de l'enfant. Relâche le front sur le sol. Les mains soit vers l'avant, soit le long du corps, comme vous préférez. Où vous soyez, relâchez bien vos épaules, le dos, le visage, la mâchoire. Parfait. Inspirez, déroulez vertèbre après vertèbre. On va venir se remettre sur le ventre. Hop. Et on commence posture du sphinx. Donc, les bras parallèles, largeur des épaules, les coudes contre vous. Et comme dans le cobra, vous tirez les coudes vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Les épaules bien loin des oreilles, j'ouvre mes clavicules. Je pousse les pieds dans le sol, essayez de garder les pieds ensemble. Je bascule un petit peu mon bassin vers l'avant. Longue, inspire ici. Et si je veux, j'expire, je relâche la tête en arrière. Et dans tous les cas, je tire les coudes vers l'arrière. Encore, longue, inspire. Et j'expire. Encore, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire, je reviens doucement. Avec la tête. J'inspire, je lève ma jambe droite. J'expire, je pose le pied droit sur le sol derrière moi. Soit je regarde vers ma main gauche, soit vers ma main droite et peut-être je tends mon bras droit. Dans tous les cas, je lève le genou vers le plafond maximum. Longue inspire. Longue expire. J'inspire et j'expire. Je reviens. Même chose de l'autre côté. On y va, on inspire, on lève sa jambe gauche. On expire, on pointe le pied gauche. Et le genou, le pied gauche sur le sol, pardon. Et le genou vers le plafond au maximum. Longue inspire. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire. J'inspire. Et j'expire. Je reviens. Je suis en train de voir qu'il y a une petite question. Hop, je dois vous laisser. Merci beaucoup. Avec plaisir, Laetitia. À la prochaine. Allez, on termine. Les cobras. Alors, je reviens. Cette fois, sur le ventre, menton vers l'avant, les mains sous les épaules. Cette fois, je vais écarter les pieds largeur du bassin. J'inspire, je détire le menton, le haut du dos, peut-être. Je lâche les mains, j'essaie de monter encore plus haut. Je repose mes mains cette fois un petit peu plus proche du bassin et peut-être j'essaye de venir un petit peu plus haut sur mes hanches. Je pousse le bassin dans le sol et peut-être j'essaye de tendre mes bras et de plier les genoux. C'est optionnel évidemment comme vous voulez. Où que vous soyez, longue inspire, longue expire, encore longue inspire. Longue, expire. J'inspire. Je lâche les pieds. Doucement, j'expire. Et la tête revient. En dernier. Parfait. De là, je plie les genoux. J'attrape mes pieds par l'extérieur. Donc, essayez de vous servir de vos muscles pour attraper vos pieds. Longue inspiration ici. Longue, expire. Pressez les talons. Vers vos fesses, poussez le bassin vers l'avant. Parfait, j'inspire, je relâche. Et cette fois, je vais expirer, pousser les pieds dans mes mains, le nombril contre la colonne vertébrale. Longue, inspire, et peut-être je relâche la tête en arrière. Longue, expire. Encore longue, inspire. Longue, expire.
Dernière fois, longue inspire. Et doucement, j'expire. Je relâche. Parfait. Poussez. Enfin, mettez les mains sous les épaules et repoussez-vous. On va venir faire la posture du chameau. Alors, je vais juste la montrer une fois. Donc, vous allez venir les genoux écartés, largeur du bassin ici. De là, on bascule bien le bassin vers l'avant. Je viens mettre mes mains dans le dos, dans le bas du dos, les doigts vers le bas. Et déjà ici, je vais serrer les coudes l'un contre l'autre. Déjà, en serrant les coudes, ça va me permettre d'ouvrir le cœur. Peut-être que je commence d'abord avec les pieds crochetés dans le sol pour me sentir plus stable. De là, j'inspire, je me grandis. Et comme d'habitude, j'expire, c'est d'abord le menton qui tient vers le plafond. Et puis, j'ouvre le haut du corps. Et peut-être un petit peu plus le milieu du dos et le bas du dos. De là, soit je fais le choix de garder les mains dans le bas du dos, soit doucement, j'essaye de venir chercher mes chevilles. Les doigts vers l'intérieur, les pouces à l'extérieur pour pouvoir ouvrir dans mes épaules. Si je suis à l'aise ici, je viens sur le dos des pieds. Et j'essaye de regarder vers mes pieds. Je continue de pousser le bassin vers l'avant. Et j'essaye d'amener au maximum le sternum vers le plafond. Je ne viens pas avancer le bassin ni reculer vers l'arrière. C'est vraiment tout que je serre vers le centre et que j'amène vers le plafond. Et maintenant, le plus important pour sortir de la posture, je viens remettre mes mains dans le bas du dos. Ma tête ne bouge jamais. C'est d'abord mes fesses qui se posent sur les talons. Une fois que je suis là, hop, je me redresse. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos et la tête en dernier. Dans cette posture, plus que toutes les autres, vraiment la tête en dernier, c'est primordial. Ok, allez, on y va tous ensemble cette fois. Donc, comme vous voulez, soit pieds crochetés dans le sol pour être plus stable dans vos appuis, pour pouvoir mieux repousser le sol et puis pour accéder aux talons de façon plus facile. En fait, vos talons seront plus hauts. Ok, allez, on y va comme vous voulez. Genoux largeur du bassin. Imaginez que vous serrez un bloc imaginaire pour vraiment activer votre base. Je bascule le bassin vers l'avant, les mains dans le bas du dos. J'inspire, je me grandis. J'étire le menton vers le plafond et j'expire doucement. Je viens ouvrir le cœur. Si je me sens, j'attrape mes chevilles, les doigts vers l'intérieur, les pouces à l'extérieur. Et pour venir vraiment ouvrir dans mes épaules. Longue inspiration ici. Longue expire. Encore longue inspire. Longue expire. Dernière fois, longue inspire. Je viens remettre les mains dans mon bas du dos. J'expire, je m'assois d'abord, ma tête ne bouge pas. Et puis maintenant, je peux dérouler. Vertèbre après vertèbre. Inspirez ici. Bloquez la respiration. Et lentement, expirez. Bravo. Allez, une toute dernière posture d'ouverture du cœur. Et puis après, on va prendre le temps un petit peu de faire des postures pour se détendre et redescendre un petit peu. Hop, donc on va faire la posture du pont. D'abord, on va faire celle du demi-pont. Et puis après, je vais vous montrer les étapes petit à petit pour venir faire le pont. Donc, on vient s'asseoir doucement. Donc, le mieux, c'est de venir attraper vos genoux, de dérouler vertèbre après vertèbre, tout doucement, vous vous tournez sur le côté. Les pieds sont écartés de largeur du bassin, bien parallèles. Ici, je viens basculer le bassin vers l'avant. Donc, j'imagine que je veux juste soulever un petit peu le sacrum presque du sol. De là, je viens mettre les paumes des mains face au plafond, un petit peu écartées. Longue inspiration ici. J'expire, je soulève les fesses, le bassin bien basculé vers l'avant. Si je veux, maintenant ici, j'entrelace mes doigts sous mes fesses et je viens resserrer doucement les omoplates l'une vers l'autre, les coudes l'un vers l'autre. Et je pousse, je tends mes coudes, je pousse les poings dans le sol et mon bassin vers l'avant. Je creuse par le dos. Je pousse bien le coccyx entre les jambes. Je pousse les pieds dans le sol et du coup, j'amène mon sternum vers le menton.
Longue, inspire ici. Longue, expire, je bascule encore plus le bassin vers l'avant, je pousse les pieds dans le sol. Dernière fois, longue, inspire. Et j'écarte mes bras et j'expire. Doucement, je déroule le bassin en dernier. Maintenant, plusieurs options si vous voulez venir faire le pont. Donc, les pieds restent où ils sont, comme tout à l'heure. Je viens mettre mes mains au niveau de mes épaules. Les doigts qui pointent vers les pieds, du coup. Les coudes vers le plafond. De là, j'inspire. J'expire, je pousse dans mes mains. Et je viens d'abord juste poser le sommet du crâne ici. Et je vois si ici, déjà, je me sens à l'aise ou pas. Si je me sens bien ici, je reste ici. Je pousse bien dans mes pieds, je bascule bien le bassin vers l'avant. Si je me sens, j'inspire et j'expire, je tends mes mains et j'essaye de regarder vers mes pouces. Si je veux, je peux aussi rapprocher mes mains de mes pieds. Où que vous soyez, trois respirations ici. Longue, inspire. Longue, expire. Où que vous soyez, imaginez que vous avez une brique imaginaire entre vos cuisses. Serrez les cuisses l'une contre l'autre, nombril contre la colonne vertébrale. Encore, longue, inspire. Longue, expire, poussez les épaules jusqu'aux oreilles. Dernière fois, longue, inspire. Je réécarte mes mains si besoin. Je viens plier dans les coudes, poser d'abord la tête pour descendre tout en douceur. Et maintenant, d'ici, je soulève encore un peu ma tête. Je ramène le menton vers le sternum et je déroule vertèbre après vertèbre. Parfait. Pliez les genoux contre vous. Longue, inspire. Et j'expire. Je presse les genoux et les cuisses contre moi. Parfait. On va venir faire la charrue pour un petit peu étirer le dos après tout ça. Je tends les jambes, je soulève le bassin, je soutiens mon bassin, puis le bas du dos avec les mains. Je rapproche mes coudes et mes omoplates l'une de l'autre. Gardez bien la tête dans l'axe, laissez-vous guider par ma voix. Ne tournez pas la tête. Essayez d'amener le bassin au-dessus des épaules, puis peut-être de votre tête. Amenez le sternum vers le menton. Essayez de garder les jambes tendues. Si les pieds ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. Soutenez votre dos, peut-être sinon aidez-vous d'un mur ou mettez une brique derrière vous, comme vous voulez. De la longue inspire. Longue expire. Si vous voulez, écartez les pieds l'un de l'autre, pliez les genoux, essayez de poser les genoux à côté de vos oreilles sur le sol. Où vous soyez, prenez le temps de respirer. Lentement et profondément, poussez les épaules dans le sol pour libérer un petit peu les cervicales. Parfait. Retournez les jambes sur le sol, venez soutenir votre dos ou placez les mains à plat, les bras tendus, sur le sol, sur le tapis derrière vous. Et venez dérouler vertèbre après vertèbre. Posez doucement le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Rentrez le menton, ne relâchez pas la tête vers l'arrière, servez-vous de vos abdos pour dérouler doucement. Et doucement, revenez. Pressez les genoux contre vous. Peut-être balancez-vous un petit peu. Venez faire des cercles pour bien masser le bas du dos. Dans l'autre sens. Ok, écartez les genoux. Attrapez les pieds par l'extérieur pour venir faire la posture du bébé heureux. Laissez les genoux tomber vers le sol. Pieds en flex. Peut-être balancez-vous un peu de droite à gauche, pareil, bien masser les lombaires. Parfait.
Doucement, revenez au centre. Posez les pieds dans le sol. Toujours les genoux pliés. Serrez les jambes. Passez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Décalez le bassin vers la gauche et amenez les genoux vers la droite. La tête vers la gauche. Longue inspire. Longue expire. Essayez de bien poser les deux omoplates dans le sol. Fermez les yeux. Détendez complètement la mâchoire. Laissez faire le bassin. Et lentement inspirez, revenez au centre, posez les pieds sur le sol, remettez le bassin droit, pliez cette fois jambe droite par-dessus la gauche, je décale le bassin vers la droite et j'amène les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. Longue inspire, longue expire. Encore longue inspire. Longue expire. Dernière fois, longue inspire. Longue expire. Inspirez, revenez au centre. Reposez les pieds sur le sol. Remettez le bassin droit. Tendez vos jambes, tendez vos bras, écartez les jambes des bras au moins largeur du tapis. Prenez quelques respirations ici, en Shavasana. Relâchez vraiment tout votre corps. Prenez le temps de prendre conscience de chaque partie de votre corps, des orteils, des bouts des doigts jusqu'au sommet du crâne. Prenez le temps, faites un peu comme si vous vouliez scanner tout votre corps, de haut en bas ou de bas en haut. Et continuez de respirer lentement et profondément par le nez et par le ventre. Des longues inspirations par le nez, je laisse gonfler mon ventre. Et des longues expirations, toujours par le nez, je laisse le ventre dégonfler tout doucement. Laissez votre corps être lourd sur le tapis. Peut-être même sentez que vous vous enfoncez petit à petit dans le sol. Laissez toutes les pensées, toutes les émotions, toutes les sensations décanter. Et observez le calme. Le vide serein qui s'installe en vous. Sentez que vous revenez à l'essentiel. Au rien et au tout à la fois. Pour clôturer cette séance, je vais chanter le Gayatri Mantra. C'est le mantra pour le dieu du soleil.
le soleil physique, mais surtout le soleil qui est en toutes les choses, tous les êtres. Tatsya vitodvariya Bhargo devasya dhimahi Diyo yuna Rachodaya. Que le soleil qui est en vous, en toutes les choses, éclaire vos pensées, guide vos actes et vous aide à surmonter tous les obstacles de la vie. Restez aussi longtemps que vous voulez en Shavasana. Profitez de ce moment de détente complète, de reconnexion à vous-même. Merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ce cours vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté. Merci les amis, à bientôt.